Hey, salut les amis, c'est Aki. Je parle, la musique se met en route toute seule au même moment. C'est magnifique, bienvenue dans cet 10e épisode de Black and White 2. Nous nous étions quittés dans notre petit village en compagnie de nos nouveaux samouraïs qu'on a gagnés dans la dernière partie. J'espère que vous allez bien, moi ça va très 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 bien. Qu'est-ce qu'on va faire ? Parce que là, il y a des gens qui sont en train de migrer vers chez nous. On va continuer à construire ces petites maisons. On ne cesse d'évoluer, on ne cesse. C'est super. Je vais mettre du bois là-dedans. Voilà, nickel. Hop. Alors, le chou va très bien, comme vous pouvez le voir. Il est top de sa forme. Non mais si t'arraches les armes pour rien, ça va. Ouais. Allez hop, merci, tu me le donnes. Et je vais le mettre là-dedans parce que voilà quoi. On va arroser vite fait, bien fait. On va arroser ici. J'ai dit que je faisais où ? Ah ouais, j'ai dit que je faisais des forêts là. Donc là et une là-bas. Le chou se met à arroser, c'est bien ça. Il voit que j'arrose, il m'aide à arroser. L'intelligence, l'IA est vachement... Enfin, est bien. Voilà, c'est bien. Elle est assez intelligente. Bon allez. Continuons ces maisons, histoire d'amener un maximum de monde. Bien sûr, il faut les minerais. Et oui, sinon ce serait pas marrant. Si, c'est notre marrant. Ok, donc là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus personne. Donc les gens, ils viennent d'où? Toi, t'es là. Et vous êtes là-bas. Ok. Ouais, vous avez encore un petit bout de chemin à faire. Qu'est-ce qu'on a ici? Il est temps que nous passions à l'offensive, soldats. Qu'est-ce qu'ils ont? Nous nous battons pour l'honneur. Ils sont malades? Et pour nos vies. À l'attaque. On va voir ce qui leur arrive à eux. Cette ville est pestiférée. Il faut faire quelque chose. Dissipez ce mal avec votre main. Les habitants pourront migrer dans notre ville si vous les impressionnez assez. Comment ça, il faut que je dissipe le mal avec ma main? Oui. Oh, je vais vous prendre là. Ok. Mais là, c'est chez les méchants. Je peux pas interagir ici. Ah, d'accord. Ah, ouais. Va-t'en. Allez. Oust. Les nuages verts. Voilà. Il y en a d'autres là. Hop. Allez. Je désodorise le tout. Voilà. Je me sens mal. Je me sens mal. Hop. Voilà, toi aussi. Qui on a encore? Ah non, t'es pas... Ah, c'est... Encore? Ah. Hop, allez, oust. Oust la verdure. Putain, ça se propage. Hop. Hop. En fait, c'est toujours là, quoi. Putain, regardez, ça revient. Hop. Ça revient sur les gens. Pas possible. Hey. Ouais, ça revient. Plus léger son gant, plus ça marche, heureusement.
Hop. Là. Tac. Et si ça marche pas, hein. Si à un moment, ça revient tout le temps. Laisse tomber. Voilà. Non. Encore. Hop. Voilà, il y en a encore là. Hop, ouais, c'est revenu là-bas. Ouais, mais ça. Ça sert à rien ce que je fais en fait. Ouais, ouais, c'est revenu ailleurs. Voilà. Magnifique. Pestiféré, c'est pestiféré, hein, qu'est-ce que je te dise. Voilà, c'est revenu ailleurs, ouais, magnifique. Voilà, hop. Peut-être que c'est en train de les... Peut-être que ça les impressionne, je veux dire. Voilà, quelqu'un d'autre, ici. Que le sang de ces Grecs abreuve l'âme de nos terres. Voilà, voilà. En fait, quand j'en fais un, ça va chez quelqu'un d'autre, en fait. J'ai l'impression. Voilà. Vous. Regardez, voilà. Allez, boum. Non, c'est pas ça que je... Pas foutre le feu. Ouais, ça pourrait aider, mais bon, après, il y aura plus de villageois. Et du coup, ils pourront plus venir. Hey. Oui, tout simplement. Allez. Toujours sur quelqu'un d'autre après. Et vous êtes en train de vous ennuyer, les amis. J'imagine. J'imagine bien. Moi, j'essaye tout bêtement là, de chasser des mecs qui sont en train de péter. Hein. Ils pètent, hein, c'est tout. C'est tout. Ils ont des gaz, ils ont mangé je sais pas quoi. Je savais pas que le riz était pété, ma foi. Ouais, tant pis. Hein. Je mangerai plus de riz. Allez, host. Là, j'en ferai encore quelques-uns, après basta. Après, je vais m'occuper de mon village. Parce que là, c'est bien marrant. Mais c'est pas marrant. Je vais vomir, oui. Ouais, c'est bon, les amis. Allez, salut. A plus. Alors. Ma petite ville. Comment ça se passe ici? Bien. Un cimetière, vous voulez? Bah. C'est vrai, c'est plutôt honorable comme décision. Mais ce qu'il faudrait, en fait, c'est de la place pour pouvoir le faire. Et oui. Parce que si t'es pas de place, il ne va pas le faire. Ah ouais, mais bon, il n'y a pas de chemin, il n'y a rien. Ah, peut-être là. Peut-être genre par là. Les Grecs ont un cimetière. Ils en auront besoin. Magnifique. Magnifique. Alors. Il y a des villageois qui arrivent là. Va falloir déglinguer eux là. Voilà. Ça c'est fait. Nous vengerons votre mort. Et faut pas envoyer de. Non, faut pas envoyer de. J'allais envoyer une boule de feu, mais non, parce que ça va atterrir dessus eux.
Ça va les cramer et je vais me retrouver bien moi après. Putain, il m'énerve à arracher les arbres. Il arrache les arbres et il les replante pas. Chou là. À moins que ce soit des bûcherons. Dans ce cas-là, excusez-moi. Alors. Qu'est-ce que ça se passe? Tac. Bah allez les maisons hein. Allez, c'est parti. On va prendre un peu de bois et on va accélérer un peu les maisons. Mes entrepôts. Donc il y en a un là et un là. Oui, au niveau de la quantité de bois, ça peut être pareil. Rien de bien exceptionnel. Je prends tout. Rien à foutre. Et j'avance les travaux. Si vous voulez pas avancer les nappes. Vous voulez pas avancer les travaux, les villageois. Après, peut-être que je suis en train de leur jeter la faute. Ouais, la faute, mais en fait, j'ai peut-être pas fait de bâtisseur. C'est pour ça qu'en fait, voilà quoi. Mais en général, quand il y a des villageois libres qui voient qu'il y a du travail, ils y vont direct. Alors. Tac. Ah, bah oui, j'ai plus de bois. C'est fini. Un groupe d'immigrants attend à la frontière que vous l'acceptiez. Je vais les accepter, t'inquiète. J'ai juste 2-3 trucs. Ça ne devrait pas prendre trop longtemps. Voilà. Alors, il faut les accepter. Et les faire rentrer. Enfin, faut ouvrir et les faire rentrer. On ouvre. Attention. Let's go. Voilà. Allez vite. Vous rentrez vite. Vite. Eh les vieux là. Ils sont en train d'arriver. Je vais vous enfermer. Allez. Voilà. Très bien. Magnifique. Quel joli feu d'artifice. Nous vengerons votre mort, honorable guerrier. Honorable guerrier. Tac. On aimerait bien avoir des maisons. C'est ça. Pourquoi il y a pas de... Pourquoi il y a des ça là? Des petits kikis sur les côtés. Si j'ai construit des maisons, je les avais annulées. Je me souviens pas d'avoir annulé des baraques. Enfin bon, tant pis. Tant pis. Hop. Tac, comment ça se passe ici? Oh, il y en a pas mal. Hop, on va tout mettre là. Voilà. Et on va faire un autre champ. Genre là. Ce serait bien. Parce que on a commencé à avoir pas mal de villageois. Et il faut nourrir toutes ces bêtes. Qui sont des humains. Tac. Prairie. Non. Champ. Hop. Tac. On l'a mis. Et voilà. Et on va faire 2-3 sorts d'eau dessus. Avec les entrepôts. Déjà bien. Ok, des minerais. Je vois qu'on en a pas beaucoup. J'en récupère quelques-uns histoire de finir les maisonnettes. L'avant-poste nord est tombé. Ils vont le payer. Nous avons conquis une ville. Même si on aura besoin, on n'a pas beaucoup quand même. On en a pas beaucoup. On a 3500 et des poussières. Je finis les maisons si je peux. Normalement je peux. Et puis... Ah putain, il y en a encore là. Ouh.
Tac, hop, donc là, elles sont toutes finies. Je vais essayer de faire le cimetière avec. Il en faut combien? Oh, c'est bon. C'est bon. Ouais, ouais, on ne touche plus. Parce qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Un peu de bois. Un peu de bois, un peu de bois. Et on va avancer les paysonnettes et le cimetière. Hop. Nickel. Nickel, nickel, nickel. Hop. Où est-ce qu'ils en sont, les villageois, là, qui doivent arriver? Donc là, il y a encore des... Allez, hop. Voilà. Et, il y en a là. Nous vengerons votre mort, honorable guerrier. Les autres doivent être assez loin, vu que c'est les derniers qu'on a conquéris. Enfin, ils ont conquis pendant longtemps. Conquéris, ça veut dire... Ah, qui ne parle pas français, mais oui. Ok. Est-ce qu'il y a des missions en argent, à part celle-là, là, qui me saoule? Là, qu'est-ce qu'on a? Oh, elle est bien, celle-là. J'aime bien. Aujourd'hui, nous sommes sur la piste des ruines de Zantora. Mes recherches me poussent à croire que le tombeau est situé sur cette île. Il y a une ancienne rune cachée quelque part non loin du campement. Elle nous mènera à l'endroit où se trouve le mystérieux édifice. Commençons notre expédition. Je crois que la première des runes que nous recherchons est tout proche de l'endroit où nous nous tenons. Donc, c'est des runes dans le sol autour du camp, cachées dans le vous sol. Vous finirez voilà. Peut-être par le trouver. Et elle est... Elle est là. La voilà! Regardez, il y a un texte ancien. Je vais le traduire. Il y est écrit « À la base de l'arbre solitaire ». Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Bah oui, tiens, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire? Alors, il y a un arbre solitaire, tout simplement. Qui est... Non. Hop. Nous l'avons trouvé! Rassemblez-vous, je vais traduire. Il est écrit que quand le soleil est endormi, le rocher solitaire détient la clé. Une véritable énigme. Bon, faut attendre la nuit. C'est bientôt. Et c'est à côté du rocher solitaire, donc. C'est lui ? Mais voilà. C'est la nuit, quoi. Et là, c'est pas la nuit encore. Pas la nuit, là. Il est en train de se coucher. Il est en train de se coucher. Hop. Allez, dis-moi que tu l'as. Oui. Et pas là, donc les ruines sont là, hein. Elles sont juste à côté d'eux. Hein. Elles sont juste bigleuses, tu vois. Et voilà, donc ça c'est... Ça s'éclate. Ah, il y a un truc là. Voilà. Ah, c'est lourd, pas derrière, mais bon, il fait. Mais elles vont trouver. Ok. J'ai pas eu le temps de le lire, mais je. J'ai déjà entendu tout à l'heure, quoi. Bon. Il veut pas, hein. Alors.
truc. Bon, on va attendre un petit peu. Hein. On attendait un. Donc là, il y a pas mal de troupes. Hein. Ouais. Il y a pas mal de troupes. Hein. Ok. Donc ici, ça se passe bien. Très, très bien. On va faire continuer ça. Là. On va essayer de faire des bâtiments un peu bien mieux cool. On va faire une auberge. On peut pas. Alors on va faire autre chose. On va faire un temple. On peut. Ah si. Hop. Boum. Voilà. Ça va pouvoir permettre d'agrandir, on va continuer là-bas. On va essayer d'aller sur le rocher solitaire. Qu'est-ce qu'il y a, le rocher solitaire ? Tu ne veux pas rocher solitaire. Il veut pas. Pas par là. Je rate de partout. Je suis malade. Ouais. Je veux pas. Non, mais je veux pas prendre le caillou. Je vais gratter le sol. Voilà. Tout est bien dit, hein. Ouais, bien sûr, ça marche pas. Ben ouais. Là, il y a pas de rocher solitaire. Là, est-ce qu'il y a un rocher solitaire par là ? Non. Un groupe d'immigrants attend à la frontière que nous l'avons trouvé, rassemblez-vous. Non. Il est écrit quand le soleil est endormi, le rocher solitaire détient la clé. Véritable. Donc sans aucun doute, je pense que c'est lui. Ah bah voilà. Ah nickel. Faut attendre peut-être un peu plus tard le soir. Oui, nous approchons du but. Voyons ce qu'il y a écrit. Trouvez le point reliant les tâches passées. Une énigme difficile. Donc, Monsieur Marmonne, j'ai même pas écouté. Voyons ce qui est écrit. Trouver le point reliant la tâche passée. Manana. Ok, donc les tâches passées, ça fait tac, 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 donc ce serait par là. Je dirais que ce serait par là. Pas là. Ah si, là. C'est ce que je pensais. La voilà, la dernière rune. Elle montre le chemin menant aux ruines. Suivez-moi. Suivez-moi. Mec, il marmonne. Il marmonne tout le temps, c'est malade. Nous y voilà. Les ruines doivent se situer sous ces imposants rochers. Il nous faudrait la force d'un dieu pour les déplacer. Impossible d'examiner ces ruines pour le moment. Vous pourriez déplacer ces rochers, patron. Je me demande si quelqu'un finira par s'intéresser à ces ruines. Eh bien, allez. Débarrassons de ces rochers, tout dégage. Hop. Et boum. Voici les ruines de Zantora. Oh, je ne pensais pas que ce jour arriverait. Je peux mourir heureux. Bon, alors c'est pas grave si on l'explose, hein, boss. Bien joué, patron. Vous avez rendu service à la communauté archéologique. Et bien sur ce, les amis, sur cette magnifique ruine, c'est joli quand même, sur cette belle ruine,
avec... Hop, voilà, sur cette belle ruine. Je m'en vais vous laisser. Je vous dis à bientôt pour le 11e épisode de Black and White 2. Allez, salut les amis, c'était Aki. Ciao.